So, what's up, what's up, what's up, YouTube? Ici Alexandre Lessard. Donc, c'est rare que je parle pendant ce jeu-là. Je vais passer à ce que je vais faire. Je vais avancer ma partie. Dans ce temps, ce qui veut dire. Pas toujours éliminer les sons pour prendre la main. C'est pour ça que je dois parfois recommencer la partie. Donc c'est. Je suis rendu. J'ai juste battu Craig, j'ai pas encore battu lui. Donc je cherche plus d'armes. Je vais pas monter en faire ça. C'est le fun. Donc. Pour faire une histoire courte, Metroid c'est quoi? C'est-tu le bonhomme qu'on met super Metroid? C'est en fait un extraterrestre, Metroid, qui lui. C'est comme si c'était un petit peu des avions, des plus fort. La première fois que j'ai vu ce jeu-là, j'ai vraiment été surpris. Je me demandais c'est quoi, je connaissais pas ça. Par la suite, ben, j'ai fini par jouer. Bon, ben après, mon premier Super Nintendo, ben après. En fait. Pourquoi je fais ça? Je vais juste évoluer. Parce que si je le fais pas. Non, c'est parce que quand on voit toutes les bébêtes ici, ça ouvre un passage ici. On y va. Pourquoi il y a encore ça? Bon, ça a l'air qu'il faut mettre un boss ou quelque chose. Pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est un jeu qui est sorti environ dans les années 90, 93, je crois. Ça nous a tous pris par surprise. Pour ceux qui connaissent bien le jeu, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est pas trop lors du premier trade, mais on a une chasseuse de primes qui est entraînée avec des extraterrestres, chose où c'est des oiseaux. Puis elle est classée avec les autres. Dans le simple but qu'elle sache se défendre parce que ça va être une femme. Dans le soute qu'on voit là, c'est le soute de ça. On sait pas, la première fois qu'on joue, on a du fun, on veut rester, on veut finir le jeu. Donc, ça fait ça un jeu qu'on apprend plus sur ça. Donc, moi j'ai joué à le premier Metroid au Nintendo. C'est celle-là qui m'a fait découvrir la série. Puis ensuite, le Metroid 2 au Game Boy. Le Game Boy! J'ai enfin essayé Super Metroid beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas joué pour le jeu? Le sait. La vidéo là, puis la continuer un peu plus tard. C'est le jeu de
transmet pas. Donc pourquoi je suis allé là? On sait pas. Ok. De Super Metroid. Donc c'est Samus qui est en dessous. Puis c'est ça. Donc si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis aussi partagez le plus possible sur les réseaux sociaux afin que j'aille peut-être
un jour envie de faire ça de ma vie. Donc c'était Alexandre Lessard, alors Skujinex. Je vous dis à plus tout le monde.